Bambela me wambilinde Nguno Nguno me wambino ingo Kaya terembe Lela tadamo Sambela me wambilinde Nguno Nguno me wambino imo Kaya. Je sens que ce spectateur, bon, je ne suis pas devenu un autre monde. C'est encore un grand plaisir de se voir encore aujourd'hui hein, sur notre chaîne qui est Réan TV, hein, la chaîne qui vous donne des informations, qui vous diffuse tout ce que vous avez dans, en Afrique, au monde et à RDC. Encore un grand plaisir de se retrouver dans l'émission de Mousso 1 au La Voix de la Vérité. Aujourd'hui, c'est la voix de qui? Nous allons recevoir un homme de Dieu qui va nous parler des choses qui sont importantes. Beaucoup de gens l'ignorent. Comme j'avais dit tantôt qu'aujourd'hui, nous allons recevoir un homme de Dieu. Nous avons déjà notre invité qui est notre plateau. Bonjour papa. Bonjour mon frère. Bonne santé. Santé à ma lame. Bonne qui nous aille papa. Un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans notre plateau. Merci. C'est à moi de vous remercier. Je m'appelle pasteur Jacques Tembo Sukosi. Je suis pasteur de l'église centre missionnaire Philadelphie STS l'avenue frontière. Je suis pasteur titulaire. Je suis aussi père d'une famille. Okay. Je suis marié. Ça fait au moins bientôt 4 ans que je suis à la tête de l'église de Philadelphie dans ce domaine ecclésiastique. J'ai fait ça que je suis tenté de parler ces choses. Je suis un diplômé de l'Institut biblique, KDC. Et actuellement, je suis en pleine formation. Je fais le deuxième cycle pour la licence à la FATAB, donc la faculté de théologie de l'Assemblée de Dieu. Je vais achever mes études. Avec notre pasteur aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très fort sur la révélation sur les livres de l'Apocalypse. Nous savons tous, Bible et Zanaba livre est vraiment tellement ébonné. Si nous parcourons la ville de Kinshasa, c'est presque partout, on nous parle de ces livres. Mais est-ce que c'est absolue vérité? Nous, aujourd'hui, dans notre mission La Voix de la Vérité, notre pasteur va nous parler de ces vérités qui est cachée dans ce livre de l'Apocalypse. Pasteur, aujourd'hui, dans notre ville, en RDC, voire à Kinshasa, partout, même dans nos quartiers, les gens parlent de l'enlèvement. Les gens nous parlent de l'enlèvement. C'est quoi l'enlèvement? Merci, frère, de m'avoir donné cette occasion là, pour s'exprimer et expliquer ce mot enlèvement. Ce n'est pas un mot ramassé quelque part, mais c'est un mot qui est biblique. Ok. Qui trouve son fondement dans la parole de Dieu qui est prononcée par Paul, enlèvement. Je peux dire que quand on a la Bible, j'aimerais qu'on lise ce passage-là. Pas de problème. Parce que pour le moment, alerte, il faut que ça soit prouvé. Et surtout que c'est l'émission de la voix de la vérité, donc il faut vérité à la 1 Thessaloniciens, chapitre 4, on peut lire le verset 16. C'est Paul qui est en train de nous parler de ça. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendant du ciel. Et les morts en Christ résisteront premièrement. À verset 17, on va rester. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Une doctrine qui est développée dans l'église évangélique qui parle d'un événement dans la fin du temps. Quel est cet événement? C'est une rencontre qui s'est faite au père de l'église, là, les fidèles, les membres, les vrais chrétiens convertis, affranchis, sauvés, qui iront à la rencontre du Seigneur. Okay. Mais cet événement, quand on parle de l'enlèvement, le mot est en train de nous dire que au moment où la trompette sonnera, l'Église, le Seigneur, les fidèles, les membres, ils seront enlevés par une puissance qui vient de Dieu, par le Saint-Esprit, pour aller rencontrer le Seigneur dans les œuvres, pour sauver. Parce qu'après cet événement, il y a quelque chose qui va arriver sur la terre, ça sera la grande tribulation. Alors, l'enlèvement, c'est ce moyen-là
que le Seigneur va utiliser pour épargner l'Église du danger et ils iront le rencontrer dans les heures, dans l'espace. Quel genre de vie que nous, chrétiens, doivent vivre avant cet événement d'enlèvement? Ok. Avant cet événement, la vie que les chrétiens doivent vivre, c'est là aussi détaillé dans le livre des Thessaloniciens. Quand vous allez dans la suite, le chapitre 5, précisément, j'ai sélectionné le verset 6. Paul nous demande aux chrétiens la vigilance. Okay. Parce que personne ne peut planifier, personne ne peut calculer. Alors, c'est une position que les chrétiens doivent, ou les enfants de Dieu doivent adopter, d'appel à la rencontre de notre Seigneur, lui qui est saint, qui n'admet pas l'impureté, qui n'admet pas la saleté ni le péché. Les enlevés d'abord seront des personnes sauvées, sanctifiées. Deuxième position, c'est la vigilance. Dans le livre des évangiles, Matthieu, chapitre 25, et là, dans Matthieu que je venais de citer ici, ceux qui ne s'étaient pas préparés pour acheter des mines pour être prêts, ils ne sont pas. Elle n'était pas entrée dans... Être vigilant dans quel sens? Ça veut dire notre vie. Nous ne pouvons pas céder à la distraction ou aux manœuvres du diable. Ce n'est pas ouvrir une porte que le diable nous amène dans une distraction ailleurs. Mais nous devons rester fermes dans la foi, fermes dans la connaissance de la parole de Dieu, la méditation où se trouve que quelque chose, que le diable introduit quelque chose ou que nous-mêmes, par le comportement ou par la convoitise des yeux, et que nous abandonnons la foi. Quelques secondes d'abandon peut être fatal parce qu'on ne sait pas à quel moment et à quel temps. Il ressort toujours dans l'Apocalypse. Il y a quelque part, l'apôtre Paul dit qu'il avait entendu, il a entendu en sorte de puits envoyer aux églises. Quel est le mystère caché sur cette église? Parce qu'il a parlé de cette église. Nous devons savoir ce mystère caché. Un mystère. Oui. J'aimerais d'abord énumérer que Jean a écrit des lettres, le message lui a été donné d'envoyer aux églises. Mm-hmm. Ce sont des églises type qu'on a, okay, que le Seigneur a pris comme des échantillons, mm-hmm, pour envoyer un message à l'église. Le but de ce message était d'encourager les fidèles ou les églises qui étaient là, de rester dans la volonté de Dieu. Parce que quand vous lisez ces lettres, Jésus présente l'église. Il envoie le message dans ces églises types, parce que ce message reste d'actualité, qui s'applique à la Bible, et même dans notre temps aujourd'hui, dans nos églises, ce message est à exhorter, encourager, et aussi décourager. Okay. Parce qu'il y a quelque part où il est en train de blâmer ces églises, des choses qu'il ne veut pas voir dans son église, ou des choses qu'il aime, ou des choses qu'il déteste. Et Jean a écrit ce message dans l'église avec l'objectif de rassurer les chrétiens de leur victoire. Cette église, parmi ces églises type-là, Jésus s'identifie ce qu'il est. Donc, l'objectif est de révéler aussi la personne du Christ, et la raison, révéler la personne du Christ dans l'église et montrer aussi dans l'église ce que le Seigneur veut aussi. Le message adressé dans cette église type demeure d'actualité. Okay. Pour compte de ce message, parce que l'Église appartient au Seigneur, ce qu'il attend voir de nous, étant Église, ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire, pour garder son Église intacte jusqu'à ce que le Seigneur lui-même viendra reprendre cette Église. Il viendra comme le Sauveur. Dans son avènement, il est venu d'abord comme l'agneau, après il viendra comme le lion, parce qu'il y a un temps, il viendra comme le lion, il viendra pour juger. Mais quand il viendra pour prendre l'église, il vient comme l'époux, comme le sauveur. Parce qu'il vient, sauver l'église du danger. Tout va commencer son travail. C'est la persécution. Il va imposer des lois. Il va imposer des choses. Alors, pour prendre l'église, le Seigneur viendra comme un sauveur. Et en même temps, il viendra comme un roi, comme un lion pour dominer. Ok. L'ange de l'église. Quand on nous parle de l'église, ok, c'est toujours dans l'Apocalypse et que spirituel. Mais ces lettres étaient destinées à des églises. Dans chaque évêque, le responsable ou un ancien, les gens qui disent le message était destiné à. Et c'est pourquoi on cite l'ange envoie et désigne le dirigeant de l'église, le responsable de cette église parmi ces églises pathologiques, avec des réalités
on est en train de vivre, par exemple, les guerres Israël, pour depuis et ces conflits-là, finira par ce jour final, à une grande bataille que les nations de l'Orient, quand je parle de l'Orient, vous voyez, je crois, quel pays, le monde arabe, ces armées-là se réuniront et ils viendront pour combattre Jérusalem. Et le Seigneur descendra pour anéantir avec sa force tous ces armées, la terre réunie, parce que il y a des étapes. C'est vraiment profond, ma scatologie. Il y a des étapes. Après l'enlèvement, Christ prendra l'église, il va faire une durée de 7 ans dans les airs, réunir, se réjouir, c'est la noce. Comme un époux qui se marie, qui prend une épouse. Il y a un temps de repos, il y a un temps de fête. Et après cela, il reviendra. Parce qu'il reviendra pour sauver Israël. Et il interviendra à ce moment-là où les armées se réuniront pour anéantir et détruire. Après avoir subi de longs moments de persécution, parce que parmi les Israéliens, il n'y a pas pour sauver. C'est juste dans ce moment crucial où le Seigneur descendra, il va trouver ses armées réunies à Megiddo, pour, dans leurs pensées, ils viendront pour anéantir l'existence et effacer Israël. Mais ils seront confondus parce que le Seigneur va descendre, il va combattre toutes ses armées et il va les vaincre. Voilà, c'est ça. La signification d'un mythe, quelque chose de réel qui va se passer à la fin des temps. Bien, pour jusqu'à la fin de ce livre, il y a le chiffre, il y a un chiffre qui est toujours en train de se succéder. C'est le chiffre 7. Pourquoi seulement le chiffre 7 devait toujours se succéder? Ok. On peut s'inspirer, on nous raconte la création dans 7 jours, et que cela fait des millénaires et des années. Il y a cette jours, il y a cette coupe, okay, il y a cette église, tout ça. Tout ce quand vous me parlez aussi de cette chiffre 7 signifie d'abord la perfection. Mm-hmm. Quand je parle de la perfection, ce qui est parfait, okay, ce qui est total et complet. Mm-hmm. Donc, lui a créé 6 jours, les 6 jours, il a terminé, et le 7e jour, tout était accompli, il s'est reposé. Mm-hmm. Au 7e coup, ça sera la fin. Donc, Dieu a tout accompli comme sanction, comme punition, et il clôture. Donc, le chiffre 7 désigne la perfection. Okay. Le chiffre 7 désigne l'accomplissement de toutes choses. C'est pourquoi cela revient. Quand on arrive à 7, on peut dire tout est accompli. Dieu a accompli son plan. Il va le faire en 7 jours. Tout est accompli. C'est ça la signification de ceci. Et il a écrit tout ce qu'il a écrit. Il a écrit ses livres d'Apocalypse. Mais il a fini sa mission comme étant apôtre. Et bien, il a encore changé de dimension. Waouh! Il a fini comme étant apôtre, il a changé de dimension. Quelle dimension? Jean était l'apôtre que Jésus aimait beaucoup. Il est le seul à rester jusqu'à la vieillesse, même que c'est un apôtre que Jésus aimait beaucoup. Il a reçu la révélation et on lui a recommandé d'écrire, c'est ça l'inspiration. On lui a recommandé d'écrire pour que le message soit annoncé partout. Il est resté apôtre. Il n'est pas devenu une telle base. Ce que vous affirmez, et comment? Parce que l'apôtre Paul, celui qui donne l'exhortation de son travail qu'il a fait, de fonder et d'implanter plusieurs églises, cette mission prophétique où à la fin il est devenu prophète, parmi les prophètes du Nouveau Testament, l'apôtre Paul n'est pas cité parmi les prophètes, mais il est resté apôtre jusqu'à la fin de son réponse. Bref, vous n'allez pas aller à beaucoup de détails. Les apôtres ont reçu la mission de la fin 1 Corinthiens au chapitre 3, car ils parlent bâti un fondement. Ils ont bâti une fondation de la doctrine. Nous sommes édifiés, nous, par cette fondation des apôtres. L'apôtre a une mission de fondation de la doctrine et de l'église. Okay. Mais les prophètes attendent le battement du cœur de Dieu. Les prophètes entendent la voix de Dieu. Et puis l'apôtre, pour venir à nous, pour que le peuple reste dans le droit chemin. C'est pourquoi quand vous voyez le ministère des prophètes dans l'Ancien Testament, ils étaient là toujours, soit annoncer une bénédiction, ce que Dieu fera, soit annoncer un message de jugement, si le peuple s'écarte dans la volonté de Dieu. Mais l'apôtre a une mission fondamentale de fonder la doctrine, de fonder, bon, aujourd'hui on parle de fondation des églises, mais je parle par rapport aux apôtres de l'Ancien Testament, les apôtres, ceux qui ont marché avec le Seigneur, leur mission était la fondation, fonder l'Église, fonder la doctrine.
C'est ce grand travail que Paul a fait. Donc, la démarcation est par rapport à la mission que chacun a reçue. Okay. L'autre, la fondation, et l'autre, l'édification, l'exhortation et le réserve. Qui est le corps de Christ. Il y a vraiment des guerres qui circulent de partout. Et ce sont des guerres froides qui est entre le pasteur, l'apôtre et puis le prophète. Nous voulons savoir, quelle est la cause principale qui a été créée ces désordres entre ces hommes de Dieu, pasteurs, apôtres et prophètes? Bon, en réalité, il ne doit pas avoir une guerre à l'église. Ça, c'est en réalité. Il ne doit pas avoir une guerre. Je ne pense pas qu'il y ait une guerre parmi ces ministères, parce que je vous ai cité, je suis en train de citer tous ces ministères-là où? Dans l'église. C'est que tous ces cinq ministères doivent exercer dans l'église. Mais c'est le contexte qui se passe aujourd'hui. Écoutez un peu. Comment ça doit exercer? C'est dans la complémentarité. Je rentre avec Paul. Paul dit, nous avons fondé, mais que chacun prend garde de la manière dont il est en train de bâtir. Chacun a reçu un don particulier. Chacun a reçu un ministère particulier. Particulier plutôt. Mais c'est quand l'autre veut prendre la place de l'autre. Ça a pris toutes ces choses-là. Mais sinon, il a appelé de quoi il est qui. Parce que je vous dis, il y en a qui commencent, semblerait-il, c'est que certains pensent qu'on commence par être évangéliste. Mm-hmm. Il était d'abord évangéliste, le ministère du début. Il devient pasteur. Et là, demain, il sera évêque et apôtre, tout ça, comme si des grades du ministère. Okay. Ça aussi, parfois, il y a des confusions. Mais est-ce que vous, hommes de Dieu, vous expliquez à vos collègues pour enfin éviter cette guerre qui tourmente vraiment trop de fidèles? Non. Ça, c'est moi là appelé pour que demain, ce que vous évoquez comme des troubles ou des guerres, que cela n'est pas lié à l'église. Et il faut encadrer et former les serviteurs avant de leur laisser l'exercice du ministère. Je crois que on l'a fait. Vraiment. C'est vraiment important si vous, il n'existe pas de guerre et puis de disputes entre serviteurs. Toujours dans l'Apocalypse, selon l'Apocalypse 21:2, on nous parle de la Nouvelle Jérusalem. On nous parle de la Nouvelle Jérusalem. Nous voulons savoir quelle est la différence, faites-vous, entre la Nouvelle Jérusalem dont nous parle l'Apocalypse 21:2 et l'actuelle Jérusalem. Ok, je pense avant de répondre, nous devons dire. Oui, exactement. La question que vous posez, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Apocalypse chapitre 21, vous faites une mention. Chapitre 21, verset 1. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel de côté de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son. Cette nouvelle Jérusalem, la Jérusalem actuelle, c'est une ville qui existe sur la terre. Mmh. Une ville juive, qui est aujourd'hui devenue une capitale, la capitale pour le peuple juif. Donc, la nouvelle Jérusalem, c'est une ville céleste qui vient de le nouveau ciel. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui, même la Jérusalem actuelle, sera débarrassé. Tout sera détruit. Après la guerre, après la tribulation, tout sera détruit parce que le Seigneur va déverser sa colère pour juger le monde. Mais après cela, quand le Seigneur aura vu une ville sainte qu'il a planifiée, qu'il a préparée dans son plan, descendra sur la terre, c'est là où Dieu sera avec son peuple. Les élus et les sauvés, c'est là où nous allons vivre éternellement. Quand je dis nous, c'est-à-dire les chrétiens seront vivre éternellement dans cette ville glorieuse qui viendra du ciel. Donc, c'est quelque chose dans le futur. Présentement, nous avons la Jérusalem actuelle qui est une ville identifiable. Tantôt, déjà, vers la fin. C'est l'église, vous êtes responsable de l'église Philadelphie. Or, parmi les sept églises qui a été citée par l'apôtre Jean, il y a aussi l'église de Philadelphie. Une question. Tout ce qui a été dit sur l'église Philadelphie et votre église, est-ce qu'il y a une ressemblance? C'est une question un peu complexe. Hein? Je reste d'actualité. Okay. Parmi les sept églises, car avec deux églises que le Seigneur a fait des éloges, que le Seigneur fait des églises, c'est l'église de Philadelphie. Exactement. Où il parle, ils étaient faibles, mais ils ont résisté. Faibles, ils ont résisté par rapport au temps.
Je pouvais dire par rapport à l'Église, que, parce qu'aujourd'hui, avec la réalité qu'on est en train de vivre, le monde reste influencé. Mais notre Église tient toujours à garder la doctrine, à garder la pureté et à garder l'image d'une Église qui réfute les fausses doctrines et qui n'ouvre pas la porte pour que là nous sommes fermes, qui tient à garder la discipline dans l'Église et qui donne des enseignements pour pousser les enfants de Dieu à rester de, sans faire le mélange et que les gens sont en train de perdre l'essence. Donc, étant l'Église de Philadelphie, nous faisons le mieux de rester comme une Église modèle, défiant le peuple de Dieu, avertir et garder notre position faible matériellement, mais l'Église était forte spirituellement. De même façon, nous pouvons être faibles matériellement là. La sainte doctrine est enseignée, on édifie les gens dans la foi, reste selon la volonté du propriétaire de l'Église qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que je peux répondre. Aujourd'hui, il y a des conflits qui sont en train de bouger le monde entier. C'est partout qu'on en parle. Tout le monde se pose des questions. C'est un accomplissement de la parole. C'est aussi un moyen qui va susciter la troisième guerre mondiale. Ça, ça allait à parler avec beaucoup de réserves. Okay. Mais quand on rentre dans le domaine de la parole de Dieu, dans le domaine prophétique, pour préciser vraiment que les événements qui sont le début, c'est le début pour on risque d'aller au-delà de ce que nous présente l'eschatologie. Donc, l'eschatologie, c'est ce qui est lié aux événements du monde, sinon de ce qui va s'est passé, ces conflits-là durent depuis les années, avec la Palestine, avec les Philistins, tout ce monde-là, c'est un conflit qui est armé, les gens sont en train de mourir. Bon, ça peut être des signes, parce que quand nous rentrons dans la vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Une nation, c'est aller définir dans le domaine scatologique que cet événement, c'est ce qui est annoncé dans la parole de Dieu. Ça peut faire partie. Ça peut faire partie des signes de ce qui va arriver. Être prêt, et nous devons être vigilants. Parce que l'Israël, c'est l'horloge du monde. Les signes, il y a certaines choses quand on définit, on doit être prudent. Bien, nous sommes presque à la pasteur, un mot de la fin pour tous ces publics, pour tous ces peuples qui sont devant la télé, en train de nous suivre. Donc, merci pour cette occasion à répondre à cette invitation. C'est que nous devons rester fermes. Comme l'apôtre Paul nous demande dans le livre d'un Corinthiens, chapitre 15, verset 58, nous donnons totalement au Seigneur, parce que nous sommes dans ce temps-là de beaucoup de distractions, même dans l'Église, vers des choses non incroyables. Raison pour laquelle nous devons rester fermes, ne pas abandonner la foi, ni confesser la vraie foi et marcher dans la crainte de Dieu, pour attendre le grand jour, parce que Jésus revient bientôt, presque le soir, mais presque le soir. L'Église et les enfants de Dieu qui tombent des distractions, nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Parce que je peux dire, est sorti de toute distraction, de tous les buts du Seigneur. Restez focus sur la parole de Dieu, à ceux qui sont prédicateurs et serviteurs de Dieu. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre mission, La Voix de la Vérité, qui avait reçu aujourd'hui comme invité le révérend pasteur Jacques Moutembo-Jolizé, qui est responsable numéro 1 de nous. Nous venons de parler dans La Voix de la Vérité, un sujet trop important, moi je le dis, la révélation sur le livre d'Apocalypse. Nous avons reçu notre invité qui nous a parlé de la révélation sur le livre d'Apocalypse, un livre qui est vraiment prophétique et qui a révélé beaucoup de choses. Vous qui êtes partout devant vos écrans, entrez de suivre votre mission qui est La Voix de la Vérité. Restez toujours branchés pour suivre votre mission sur notre chaîne Congo. Je vous dis merci à l'équipe technique qui m'a tenu compagnie derrière la caméra et les dollars. Ngono, ngono me wa.
Kaya terembe, lela ta damo.